Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à cette collégiale de la FEN, cette 63e collégiale. Et nous démarrons avec une question importante, une question qui pose question. On parle beaucoup d'UX, d'expérience utilisateur. En formation, on parle de learner experience. Est-ce qu'il s'agit d'un buzzword, c'est-à-dire d'un mot qui permet de marketer un changement ou un non-changement, ou est-ce que c'est vraiment un changement profond dans la façon de transmettre, d'écouter, de partager? Donc la question est importante. On a Nabil Talman qui va nous poser, qui va nous présenter sa façon de faire et pouvoir répondre à toutes nos questions. Et si effectivement d'aventure à la fin de l'émission vous avez d'autres questions qui n'ont pas été traitées, n'hésitez pas à les mettre sur le site de façon à ce qu'on puisse lui transmettre toutes les questions et il répondra avec plaisir. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Manal avec nous. Manal, bonjour. Une première question? Oui, merci, merci pour cette introduction et merci à Nabil Talman d'être avec nous aujourd'hui, donc un expert de l'expérience utilisateur qui va nous parler de ces thématiques et du learning experience. Mais avant de commencer à parler de notre sujet, on va parler de l'association FLUPA dont il est président. Donc, Monsieur Talmès, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la FLUPA? Pourquoi la FLUPA? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Merci de me donner la parole aujourd'hui. Alors, FLUPA, qui regroupe les professionnels francophones de l'UX. On est répartis dans 5 pays, en France, Québec, Luxembourg, Belgique et récemment la Suisse. On a 17 antennes réparties dans ces pays-là. Nos deux missions, c'est promouvoir l'UX, bien entendu, et c'est faire se rencontrer les professionnels. Donc, on est reconnu comme un spécialiste de l'événement. On organise tout un tas de meet-up au sein des antennes locales, hein, Paris, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Tours, Toulon même. Voilà, on découvre qu'il y a des viviers, finalement, de professionnels de l'UX partout. Qui sont réalisés tout au long de l'année. L'année dernière, on a fait plus de 110. Par ailleurs, nous avons un événement 2 jours au mois de juin, c'est les UX Days, un jour d'atelier pour apprendre, partager des expériences, et un jour de conférence où là, c'est une restitution qui est faite de cas particuliers et qui a regroupé cette année 900 personnes. Donc, c'est quelque chose qui Oui. grossit. C'est en effet un buzzword. C'est un métier qui est en train de se structurer. Les contours ne sont pas encore très clairs aujourd'hui. Les termes aussi changent pas mal. Et puis, le deuxième événement que nous organisons, c'est l'événement d'hiver, j'ai envie de dire. C'est en novembre et c'est une journée et c'est en province. Et c'est à chaque fois une ville différente en province. Cette année, ça sera fin novembre à Montpellier. Ça s'appelle un UX Camp. Donc, c'est un barcamp lié à l'UX. Et c'est un format différent. Autant les UX Days, il y a un programme à l'avance, il y a une sélection des sujets, etc. Autant le UX Camp, eh bien, les personnes viennent avec leur sujet. Ils pitchent le samedi matin. Il y a un vote à 9h30 et à 10h, le programme est connu. 5 salles, 5 tranches horaires et on a 25 sujets qui seront abordés. Tout au long de la journée. Donc, on ne sait pas à l'avance ce que c'est, des conférences, des ateliers, des retours de cas clients. Et alors, ça, c'est un format qui existe déjà, bien entendu. Le plus gros en Europe, c'est Berlin. Il regroupe 600 personnes, je crois. Nous, on a limité modestement cette année à 140, 150. Ça permet vraiment que les gens osent proposer des sujets, qu'on découvre finalement des personnes qui se mettent au devant de la scène. Et bien sûr, l'idée, c'est que c'est très participatif. Voilà, donc ça, c'est un des éléments qu'on pourra reparler tout à l'heure, j'imagine. Mais les UX Absolument. Days, ouais. Avec une petite remarque, c'est que si vous le voulez bien, on mettra les liens en dessous de l'émission, de façon à ce que les gens puissent s'inscrire Oui. s'ils le désirent, parce que c'est très intéressant et ça leur permettra de venir voir pour de vrai. Tout à fait, voilà. Et les gens jouent le jeu. Il faut dire qu'on met les règles, on met le cadre aussi. On
en reparler, bien sûr, des règles que nous, enfin, du contexte que nous mettons pour que les gens soient à l'aise et participent. Voilà. Et on a rajouté une petite nouveauté hein, sur cet événement sur l'UX Camp, c'est que la veille, on fait une soirée inspirante où on invite quelqu'un qui n'est pas du milieu de l'UX, pas du milieu de l'interface numérique, on va dire, si je veux caricaturer, et qui va nous parler de son métier à lui, de son rapport aux autres. L'année dernière, c'était un chiropracteur, par exemple, alors rien à voir avec la conception d'interface ou du design de service non plus d'ailleurs, mais eh bien, il a un rapport à l'autre, un rapport au patient, une écoute qui doit être développée. Donc il y avait plein de points communs finalement. Les gens se rencontrent le vendredi soir et le lendemain, quand on les met dans le bain, eh bien, finalement ils se connaissent un petit peu déjà et c'est beaucoup plus facile pour inciter la participation. Voilà grosso modo Flupa. On essaye d'être un guide hein, pour la profession. On est une asso, on n'est pas un syndicat. On nous demande beaucoup, il y a pas mal d'attentes aussi autour de ça. Et bien, ce week-end, justement, il se trouve qu'on fait le séminaire du conseil d'administration. On va réfléchir aux actions de la prochaine mandature. Donc, tout ça, c'est en train de bouillir. Très bien. Eh bien, ça donne envie, hein, déjà. Déjà, c'est un premier point. Donc, en tout cas, c'est une très, très belle réputation. On pourrait démarrer par le fait de dire l'UX, comment est-ce qu'on le définirait? Alors déjà, si on veut décrire l'acronyme, hein, c'est en anglais, donc c'est User Experience, donc l'expérience utilisateur. Alors c'est vrai que ce buzzword, il est arrivé, moi je l'ai vu arriver il y a 5, 6, 7 ans en France, où en tout cas les clients ont commencé à s'en saisir. Et moi c'est comme ça que je vois qu'un buzzword commence, c'est pas qu'il y a que la profession qui en parle, c'est que aussi les entreprises commencent à en parler. Ne sachant pas vraiment qu'est-ce que ça pouvait leur apporter, mais il y avait un... Alors, on a quelques difficultés de son. Débattre très longtemps sur UX versus ergonomie. Avant, moi, je faisais des termes. Alors, éventuellement, je verrai si je peux me brancher un câble et ne pas être tributaire du Wi-Fi, peut-être, éventuellement, à voir, mais bon. Impeccable. À quel effectivement, moment vous m'avez... lui, alors je vous laisse juste vous organiser. L'UX a été aussi développé beaucoup par Norman, Donald Norman, qui a travaillé beaucoup avec Apple. Donc c'est celui qui avait été un peu le designer, c'est celui qui avait un peu été à l'origine de ce concept. Et ça associe beaucoup d'ergonomie, de design, etc. C'était une autre façon de regarder le produit. Et cette autre façon qui utilise beaucoup l'émotion et l'affect permet aujourd'hui d'avoir un autre regard qui est très en phase avec le marché. Oui, tout à fait. C'est juste pour faire le lien. Il s'agissait d'aller au-delà. Oui, bien, en fait, mais c'est un complément qui est très, très utile. En effet, hein, c'est lui qui a popularisé ce terme-là. Et l'idée, c'était d'aller au-delà d'un simple audit qu'on pouvait faire d'une interface avec des critères très précis en disant, bah, tiens, finalement, on conçoit pour quelqu'un et à Flupa, on considère qu'il n'y a pas d'expérience sans utilisateur. Donc, on ne peut pas concevoir pour personne, ce n'est pas possible. Il y a bien l'UX, ça résout des problèmes, ou en tout cas, ça facilite la vie des gens. Donc, il faut évidemment les écouter pour savoir ce qu'ils vivent, ces gens-là, entre guillemets, pour savoir comment on va mieux concevoir. Donc, ça, c'est vraiment la force de cette démarche-là, qui a permis de séduire en effet un peu plus de monde, parce qu'on sortait du simple audit heuristique ergonomique. Voilà. D'accord. Vous dites que c'est quand même un métier qui est toujours en construction, donc une notion toujours en construction. Est-ce que vous pouvez nous dire, malgré ces limites-là, où commence l'UX et où il se termine? Parce qu'on parle d'utilisateur, ça reste large, mais est-ce qu'il y a des frontières qui sont bien claires ou est-ce que c'est toujours en évolution? Alors, dès qu'une entreprise créer un produit, un service, une application ou quoi que ce soit, il faut que, selon moi, il faut que l'utilisateur intervienne à un moment donné. Voilà. Il y a différentes méthodes, différentes formes, mais il faut qu'il intervienne. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a pas de barrière sur ce point-là à l'UX. Et d'ailleurs, ceux qui sont spécialistes de l'UX dans les entreprises, pour moi, ils doivent parler avec tous les autres services. Et pas qu'avec le marketing, pas qu'avec la com, qui sont généralement les commanditaires d'études ou de tests, mais il faut qu'ils parlent avec le commercial, avec les RH, avec évidemment les fonctions de support qui seront sur ce
il doit parler à tout le monde parce que lui, ce designer qui travaille dans l'entreprise, doit comprendre aussi comment les autres services fonctionnent. Parce que ce n'est pas tant d'être la voix du utilisateur, si, il faut penser à nos clients, non, il faut aussi qu'il ait en tête comment ses collègues travaillent, quelles sont les contraintes de l'entreprise. Et donc là, on commence à avoir une limite, c'est-à-dire que l'utilisateur n'est pas roi, et dans la conception, on doit aussi prendre en compte ce que l'entreprise peut ou veut faire. Voilà. Après, il y a d'autres limites qu'on pourrait mettre, mais quand là, on veut distinguer les différents métiers. Il y a un autre acronyme qu'on entend souvent, c'est UI, en effet, User Interface, donc en effet, où on est beaucoup plus sur… alors là, on a des profils qui viennent du web design ou du directeur. Qui sont beaucoup plus, alors je ne vais pas dire que c'est la population qui enfin c'est pas la team coloriage non plus, mais si on devait définir l'UX qui va construire des parcours, qui va imaginer les services qu'on va proposer, à un moment donné, il faut aussi qu'on y ajoute une couche de mise en scène de ces informations-là, de rendre lisible et compréhensible telle ou telle chose qui aura été, c'est un autre métier. Certains ont la double compétence. Moi, je pense que c'est un peu compliqué d'être aussi bon dans les deux. Et puis après, il y a d'autres métiers, bien entendu, hein, et notamment le SEO concernant le référencement, et puis la tech et le développement, bien entendu. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est vers une émergence de plusieurs métiers qui sont dans le domaine de l'UX. Oui, alors en effet, si on voulait, ça ne me dérange pas de mettre en chapeau l'UX, sous lequel il y a plusieurs types de métiers, mais on peut même aussi imaginer mettre les business analysts, hein, qui finalement vont aller analyser certaines données comportementales, alors peut-être plus quantitatives, certes, on n'est pas dans l'observation de quelqu'un qui va naviguer sur un écran, mais voilà, il y a aussi front-end éventuellement, le web design, il y a l'interaction designer aussi, qui peut, là avec un terme assez spécifique, il y a celui qui s'occupe de l'architecture de l'information. Voilà, donc il y a différents métiers qui, eux, ont chacune une fiche de poste, mais qui sont sous cette… alors, je pourrais essayer de vous retrouver aussi, qu'on mettra, j'imagine, aussi sur le podcast, un lien vers ce schéma qui présente une sorte de parapluie de l'UX sous lequel il y a 8 profils différents qui doivent travailler ensemble, de toute façon, pour concevoir quelque chose pour l'utilisateur. Donc, il y a cet aspect collaboratif aussi dans l'UX qui a beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. C'est un peu la philosophie, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la philosophie, c'est quand on parle du client, c'est remettre le client au centre de l'entreprise. C'est ce slogan qu'on entend souvent. Est-ce que ça représente la même chose? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'entreprise n'existe que parce qu'elle vend quelque chose à quelqu'un. Alors, bien sûr, les études marketing existent depuis très longtemps, hein, ça, c'est pas nouveau. Il y a plein d'articles qui différencient d'ailleurs un segment de marché versus un persona, hein, qui est une manière d'identifier une cible. Donc, ça, elle faisait ça depuis très longtemps. Mais avec l'UX, c'est comme si on avait trouvé quelque chose de, enfin, j'ose dire, ben, quelque chose de sexy pour faire comprendre que. Eh bien oui, vous allez procurer une expérience à quelqu'un, il va vivre quelque chose, et comme vous disiez, il y a une dimension émotionnelle, il va se souvenir de quelque chose, et quand il va restituer ce qu'il a vécu, ça ne va pas être quelque chose de très, nécessairement de très rationnel, mais il y aura d'autres facteurs qui vont entrer en jeu. Et ces autres facteurs, l'entreprise, elle doit s'en saisir pour être sûre que ce qu'elle propose correspond. Et puis qu'elle continue à vendre son produit, son service, son application, etc. Le but d'une entreprise, c'est sa pérennité, et c'est quand même de progresser. Donc, il y a besoin que ces produits correspondent aux attentes du marché, bien sûr. Est-ce que vous avez des exemples d'UX, hein, pour rendre plus vivant, qui sont sexy? voilà. Je cite quelque chose souvent dans mes cours, l'outil de messagerie qui s'appelle Mailchimp. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une mascotte qui est un singe. Bon, c'est un gorille, je crois. Et donc, ils ont mis en scène le parcours d'envoi d'email. Voilà, donc il y a le contenu qu'on doit rédiger, il y a la base de données d'email qu'on doit préparer, intégrer, etc. etc. Et puis, quand on envoie un email à cette personne, comme parfois PubPap peut le faire, il a
Il ne faut pas qu'on se trompe, une fois qu'on aura appuyé sur le bouton, ça sera trop tard. L'email sera parti. Et donc, Mailchimp a bien compris qu'il y a une mini angoisse à ce moment-là. On n'y va pas, etc. Eh bien, ils ont scénarisé, là, avec l'UI, justement, ils ont mis en scène avec un GIF animé, en tout cas une petite animation, où il y a le gorille qui transpire. Donc, il est à notre place, il y a ce qu'on vit, et on voit qu'il y a sa main qui va appuyer sur un bouton, il est en train de transpirer, et le bouton, on dirait le bouton d'un lancement de bombe nucléaire, comme si c'était très très important de lancer un email. Donc, il dédramatise ça, finalement. On voit donc qu'il y a un contre-pied qui est fait, et finalement, il y a une sorte d'empathie qui est simulée entre le logiciel et nous. Et voilà, donc ça, c'est une manière de mettre, de contrôler les choses autrement. Donc là, si je vous le dis, c'est que je m'en souviens. Donc, je l'ai retenu. Donc, la manière dont c'est fait était pertinente. Ça crée un outil autour de l'affect pour rentrer dans le logiciel et pour fidéliser la relation. Est-ce que c'est bien ça? Voilà. Tout à fait. Et puis ce gorille-là, il encourage aussi. Il nous envoie des high fives comme ça pour quand on a bien fait quelque chose, etc. Ça ne change pas la stratégie que j'ai derrière mon emailing, bien sûr. Mais ben, si c'est ça en plus, pourquoi pas? Très bien. Voilà. Et alors là, on parle de quelque chose qui est un peu ludique. Il y a d'autres fois où on est beaucoup plus sur de l'efficacité, quelque chose de très opérationnel. Oui, madame, pardon, je vous écoute. Il y a une question qui me survient en tête. Vous parliez tout à l'heure de marketing, c'est un peu mon domaine. Et je voulais savoir si, dans votre expérience de professionnel, est-ce qu'il y a une différence entre marketing expérientiel et UX, comme on l'appelle? Ou est-ce que, finalement, les deux mots peuvent être interchangés? Très bonne question. On l'avait, mais c'est alors peut-être que le marketing expérientiel était là avant l'UX. Alors je l'avais jamais utilisé en tout cas auparavant. Dans ma carrière, que je continue à faire d'ailleurs maintenant dans l'agence à laquelle je suis. Donc, la qualité du son. Alors, je ne sais pas comment je pourrais. Alors, je pourrais éventuellement aller me câbler sur le Internet filaire, mais pour ça, il faudrait que je quitte mon poste pour aller chercher un adaptateur. Est-ce que eh bien, si ça prend du temps. Ah non, c'est 30 secondes. Et allez, très bien. Je le rebranche ici. Donc, ça permet de faire un lien avec la façon d'apprendre. L'intérêt justement de raisonner en UX ou LX, Learner Experience, c'est de reprendre cette même mécanique qu'on va présenter avec cette méthodologie pour se dire que c'est une nouvelle façon de mettre l'apprenant au centre. Et comme on a vu avec toutes les réformes qui ont été mises en place, c'est qu'on redonne à l'apprenant la main. Et donc l'apprenant, une fois qu'il est autonome, avec toutes les questions que cela peut poser, ça réinterroge son autonomie en disant comment j'arrive à l'amener à apprendre avec de plus en plus de plaisir, d'affect, d'émotion, sachant que la notion d'émotion, c'est quelque chose qui, émotion et mouvement, ont la même étymologie. Et donc, ça veut dire que si je veux que les apprenants viennent à la formation, rentrent en formation, eh bien, il faut utiliser ces outils qui sont des outils autour de l'affect pour qu'ils puissent rentrer dans la relation et faire ça. Donc, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on reste sur un modèle qui est très descendant et comment j'organise avec l'autonomie de l'apprenant, comment j'organise la relation apprenante, et bien grâce à l'UX ou le LX, comme on le verra après. Très bien. Et en plus, Stéphane, si on peut faire le lien, depuis quelques années, on commence un peu à prendre conscience de l'importance de l'émotion et du ludique dans l'apprentissage et dans le fait de se souvenir de quelque chose. Tout à l'heure, notre intervenant Nabil Talman a évoqué, a dit « je me suis souvenu », donc c'était efficace, donc c'était pertinent. Et donc, par exemple, on a vu émerger les serious games, le ludique dans l'apprentissage, même si il y a beaucoup d'évolutions à voir, je pense, dans les prochaines années. Je pense que c'est un élément important à prendre en compte pour intégrer une nouvelle logique de performance dans ce domaine-là. Très bien. Eh bien, justement, Nabil, comment est-ce qu'on fait concrètement
Il y a des méthodes, on fait un peu. Est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce qu'on choisit comme on le sent la poésie, justement, de la création? Ou est-ce qu'il y a des méthodologies et des process? Alors, oui, il y a des méthodos, il y a des process. Parfois, on considère que quand on parle du UX, on ne parle pas nécessairement de design parce que le design serait quelque chose, l'inspiration venant du divin. Bon, et puis, il y aurait un dé tout-puissant qui finalement dirait comment les choses doivent être. Alors, ça peut être inspirant parfois, mais il y a bien des méthodos. Alors, on n'est pas que des besogneux non plus, hein, voilà, mais en effet, les designers sont des faiseurs. Mais ils ont besoin aussi de voir l'humain, de voir l'utilisateur, pour sortir de leurs conditions et de voir comment les autres vivent certaines choses. Alors, l'UX, c'est Autrement, quelque chose qui. voilà, Oui. autrement dit, si on prend quelqu'un qui se dit, voilà, j'ai mes habitudes, j'ai mon fonctionnement, j'aimerais bien rentrer dans une démarche du X, comment est-ce que je fais? C'est-à-dire, je commence par faire des enquêtes, je commence par faire, on réunit un groupe, on en discute, quelle méthodologie je fais? Si je veux démarrer, j'ai rien, comment je fais? Première étape. Alors déjà, il faut voir s'il n'y a pas des études qui existent. Quel est l'existant? Avant d'aller collecter de la donnée, en fait, donnée comme ce qu'elle dit, il faut toujours voir qu'est-ce que je possède comme information. Donc finalement, parfois, avant d'aller voir des clients, ou en tout cas, ou les utilisateurs cibles, parfois, il faut aller voir ses collègues. Je suis, là, il y a quelqu'un qui est dans une entreprise, j'ai besoin de mieux faire correspondre mon produit aux attentes. Et bien, tiens, qu'est-ce que le commercial peut me donner comme information sur l'utilisateur? Peut-être qu'il y a une outline pour le SAV, j'en sais rien. Le marketing, c'est quoi les segments qu'il a imaginés ou les études qu'il a déjà faites? Après, il peut y avoir la R&D. La R&D, si elle développe des choses, c'est peut-être qu'elle a déjà glané des informations. Voilà, donc c'est déjà voir au sein de l'entreprise qu'est-ce qu'il y a comme information et parler aux autres. Le fait de. Parce qu'il ne faut pas que le UX designer dans une entreprise soit celui qui soit, oui, il y avait un atelier hier, c'était avant, on considérait comme la nana un peu bizarre. Voilà, j'étais dans un coin. Mais c'est à force de discuter, c'est à force d'écouter. Et finalement, le UX designer, ou en tout cas la personne qui veut prendre le rôle de l'entreprise, elle écoute d'abord ses collègues. C'est d'abord ça, en fait. Parce qu'on ne va pas pouvoir arriver et tout chambouler et leur dire que c'est comme ça maintenant, parce qu'il y a un utilisateur qu'elles n'ont peut-être jamais vu et que c'est lui qui va guider maintenant toute la stratégie de l'entreprise. Il y a besoin déjà de commencer par ça. Donc on interroge tous ceux qui participent au parcours de l'utilisateur Oui. pour avoir leur regard. Et Tout une à fois fait. qu'on les a écoutés, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, une fois qu'on a ça, on comprend mieux les contraintes, on sait ce qu'ils savent et on sait de ce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ont listé tout un tas d'hypothèses, de fantasmes parfois. Eh bien, très bien, on prend ces fantasmes et là, on commence à sortir de l'entreprise. Là, on se dit, OK, eh ben, je vais confronter tout ça à ceux qui utilisent vraiment l'application, vraiment les produits ou le service, etc. Alors, il y a plein de. On parle de guérilla UX, hein, ou de guérilla test. Hein, on peut commencer par ça pour avoir un premier niveau d'information. En gros, le guérilla test, c'est je vais dans la rue, je chope des gens qui passent et puis je leur paye un café en échange de passer quelques minutes pour discuter sur telle ou telle chose. Donc, alors souvent on associe ça à la méthode Starbucks, hein, c'est-à-dire que bah, en Starbucks on est confortablement installé et on ne va pas refuser un café, hein, surtout qui coûte 5,70 €. Hein, et donc on s'installe, on prend 10 minutes et en échange du temps passé, le participant a un café et lui va donner son avis sur une interface. Alors on prend au hasard, c'est assez limite, hein, c'est pour ça que ça s'appelle guérilla, c'est qu'on ne va pas nécessairement avoir les personnes qu'on souhaite, en tout cas sur un segment de marché particulier. Par contre, si on fait un test sur le site ou SNCF, on peut penser quand même qu'en prenant n'importe qui dans la rue, on va tomber sur quelqu'un qui l'utilise. Bon, parce que voilà. Mais on peut commencer par ça. Tout doucement, petit à petit, moi je l'ai vu dans plein d'entreprises, si on va glaner une ou deux infos pour répondre à une ou deux questions, c'est tout en fait. Et on fait ça régulièrement. Et à force que les collaborateurs vont voir quelqu'un qui va chercher l'information et qu'elle est pertinente, eh ben, on peut penser qu'au fur et à mesure, il aura de plus en plus de moyens pour aller encore chercher d'autres choses. Donc ça, c'est une démarche des petits pas. Il faut être honnête. Pour que les autres acceptent finalement qu'on commence à leur donner de plus en plus d'informations et des enjeux, etc. Voilà, après, il y a d'autres méthodos. Je peux vous en citer une autre pour laquelle moi j'étais très sceptique et que j'ai vu hier. Hier soir, il y avait un atelier Flupa à Nantes.
Et donc, l'équipe qui est en charge de l'antenne de Nantes, eh bien, elle a repris le flambeau, parce que moi je la dirigeais depuis 5 ans. Il y avait un atelier sur la data vis, donc la data visualisation, comment on va rendre lisible et intelligible des données. Ça s'appelait aux petits oignons. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait une data vis, donc sur une feuille blanche, noire, pardon, A3, avec des aliments. Donc on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Et là, c'était en l'occurrence des bonbons, des gâteaux, des bonbons, des sucreries en tout genre, des marshmallows, des dragibus, des. Voilà. On avait un sujet, il fallait qu'on représente avec tout ça. Et donc j'ai posé la question à Gwen, qui était l'animatrice, hein, qui travaillait dans une entreprise de la région nantaise. Et je lui ai dit, mais. Elle travaille dans une entreprise qui fabrique des logiciels pour le secteur agroalimentaire. Donc, travailler sur une database avec des aliments, c'est pas logique, bon. Mais ça a permis, à ma grande surprise, ça lui a permis de faire parler ses collègues, parce qu'elle a commencé par ça, de faire parler ses collègues sur leur métier, sur leurs contraintes, alors que la tâche semblait ardue au départ. Et malgré ça, tout à l'heure, vous parliez de ludique, c'est tout à fait ça, parce que cet atelier-là était un petit peu ludique, vous faisiez peut-être retomber en enfance par le jeu, Lego ou autre, en tout cas là, c'était de l'alimentaire. Eh bien, elle a remarqué que les personnes livraient des choses qui n'auraient pas nécessairement livré de la même manière si on leur avait donné un papier et un crayon, par exemple. Alors ça, c'est une anecdote, je trouve, mais c'est qu'une méthode parmi d'autres, mais qui est révélatrice de la manière dont on peut aller. Incluant l'utilisateur, là en l'occurrence l'utilisateur c'est ses collègues, dans une démarche qui va le dépasser, qui va concerner l'entreprise, etc. Et quand on parle de alors là il ne s'agit pas d'une learning experience de la part de ses collègues, mais n'empêche qu'ils ont appris quelque chose quand même, c'est que donc le métier déjà de cette UX designer, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est là, comment elle parle aux autres, qu'est-ce qu'elle recueille comme information, qu'ils ont appris à lui parler et à être confronté finalement à un nouveau profil. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Et puis, ils ont appris aussi à avoir des réflexes de partage d'informations pour que le travail collaboratif soit plus efficace. Dans cette partie prise de conscience, est-ce que c'est là où on pourrait demander, par exemple, à l'ensemble des membres de l'entreprise de se mettre à la place de l'utilisateur? De façon à voir pratiquer l'outil qu'ils utilisent, non pas du côté concepteur, mais utilisateur, pour comprendre que finalement, y a des bugs à certains moments et que ça ne correspond pas à ce qu'ils pourraient attendre légitimement. Oui, tout à fait. Ça, c'est une manière de faire qui est assez courante. Et parfois, l'inconvénient, c'est qu'il faut sortir l'interviewé de sa condition pour qu'il se mette à la place d'eux. Et ça, ce n'est pas facile. Après, il y a plusieurs types d'astuces ou de petites techniques qui l'incitent finalement, ou quand on lui met des contraintes supplémentaires. Il imagine, non, ça c'est très facile. Oui, il est concerné par le produit. Et au fur et à mesure, on peut lui donner certaines difficultés que vit l'utilisateur. Et on voit comment il se débrouille par rapport à ça. Mais globalement, c'est de lui dire. Oui. En formation, ça peut prendre l'idée de se dire on a beaucoup de formateurs, mais les formateurs, quand ils deviennent apprenants, ils voient toute la difficulté de rester, par exemple, assis toute une journée, quand on ne se lève pas, quand on ne bouge pas, alors qu'eux, ça leur paraît évident parce qu'ils sont debout et souvent ils animent. Donc, quand ils se mettent de l'autre côté, ils prennent conscience que de l'intérêt des pédagogies qui soient segmentées et vivantes. Oui, quand on remet en contexte ce que vit l'utilisateur, tout de suite, ils se rendent bien compte que cet élément-là qu'ils avaient zappé parce que ce n'était pas leur condition. Et bien, quand on remet en contexte, tout de suite, il y a un déclic qui se passe, une prise de conscience. Et alors, bien sûr, ils essayent de contourner ça parfois, etc. Mais c'est par la remise en contexte qu'on arrive à les faire comprendre que ils doivent aller au-delà de leur propre vue des choses. Il y a deux éléments qui ressortent, si je peux me permettre, et pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui veulent monter par exemple un projet de formation. D'abord, le premier élément, c'est est-ce que finalement la plus grande contrainte pour mettre en place ce type de démarche UX, c'est en fait la contrainte de culture organisationnelle?
et d'accompagnement de changement pour intégrer dans l'esprit, que ce soit des collègues, des utilisateurs, cette nouvelle approche. Oui, quand la culture d'entreprise, quelle que soit l'entreprise, eh bien, elle est fortement ancrée. J'entends souvent, quand moi je fais mes interviews avec des cibles B2B, donc au sein des entreprises, qu'ils ont appris à parler comme ça. Donc, quand ils sont arrivés en entreprise, c'était ce mot-là qui n'était pas très clair au départ. Ils ont appris à l'utiliser et parfois, même au bout de 3-4 ans, il n'est toujours pas très clair, mais ils le disent quand même. Voilà, donc c'est, ils ont intégré finalement certaines pratiques. Et ça, il faut les comprendre. Avant de mettre un plan de formation, il faut comprendre ce qu'impose finalement de manière parfois invisible l'entreprise à ses salariés. Et puis, il faut aussi comprendre, en fonction des générations, quelles sont leurs, comment elles sont structurées par ailleurs. On n'apprend pas nécessairement de la même manière à quelqu'un qui est récemment diplômé versus quelqu'un qui a 30 ans d'expérience. Donc, il y a les autres facettes d'un apprenant au sein d'une entreprise, eh bien, il faut les connaître pour savoir, OK, ça, il a l'habitude de faire ça, ça, il connaît, ça, il ne sait pas faire par ailleurs, ou ça, il n'a pas l'habitude. Donc, quand on va lui mettre une manière, une formation, eh bien, il faut inclure tous ces éléments-là. Et puis, ça peut aussi passer, enfin, c'est tout bête, hein, par la manière dont on met les tables dans la salle. Voilà, donc entre des tables qui sont comme à l'école primaire, les unes des rangées les unes derrière les autres, et puis une table en U, c'est pas du tout la même manière de former, et on met pas les gens dans la même posture non plus. Donc on met l'apprenant différemment, déjà comment on l'installe. Donc et en effet, la culture de l'organisation, elle est à prendre en compte en amont, et donc c'est pour ça que on essaye d'échanger au maximum avec la direction générale pour la comprendre avant de mettre en place quoi que ce soit. Donc il y a bien, et quand c'est quelqu'un qui fait ça et qui est lui-même déjà dans l'entreprise, bah, il faut qu'il y ait une sorte de mise en abyme finalement pour qu'il prenne du recul et qu'il joue le rôle finalement du poil à gratter pour comprendre ce qui se passe et voir jusqu'où on peut aller en fait. Il y a déjà ça à faire. Oui. Autrement dit, l'étape zéro, c'est d'engager le sommet stratégique, donc d'engager la direction avant même de pouvoir engager le processus justement du X. C'est-à-dire que la direction, est-ce qu'on peut se dire, je milite par le bas ? Alors, il y a aussi le process de convaincre par l'épreuve. Il y a dans pas mal d'entreprises, des jeunes me disent, oui, mais... Alors, j'ai beaucoup de liberté, je peux faire ce que je veux, mais il n'y a personne d'autre qui fait ce que je fais dans l'entreprise, donc j'apprends un peu tout seul ou je n'apprends pas. Et puis, on me demande des preuves. Et donc, parfois, quand je vous parlais de guérilla test, c'est un petit pas, montrer ce que quelque chose a pu être apporté avec pas grand-chose. Et après, on va voir la direction. Parce que pour déployer ça, alors ça part du bas de l'exemple, par la preuve, mais n'empêche que quand on veut faire ça à grande échelle, il faut que la direction soit convaincue et qu'elle suive. Il faut qu'elle dise à tout le monde, ça c'est important pour l'entreprise, on ne va pas tout révolutionner non plus, mais sachez qu'il y a cette nouvelle démarche-là, il y a quelqu'un qui est en charge de ça, il va passer vous voir, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, il faut que cette personne soit présentée à tout le monde comme étant légitime et qu'elle va servir l'entreprise. Et qu'elle va servir en plus les personnes qui sont à leur poste. Parce que mine de rien, soit ils ont peur que les choses changent trop vite, soit ils ont peur qu'ils aient plus de travail ou quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est bien que c'est de développer l'activité ou de pérenniser l'activité. Donc, ça nous amène à une question très importante. Ce sont les, on parle d'expérience. Il n'y a pas besoin à un moment donné d'un. Ah pardon, donc ça avait bugué, donc j'étais pardon parti trop tôt, ça avait bugué en termes de son, donc c'était pas de souci, c'était le fait de dire, ça nous amène à une remarque, c'est que quels sont les indicateurs? C'est que si on veut faire un pilotage de cette politique, dans ces cas-là, il faut avoir des chiffres, et comment est-ce qu'on les construit sur l'UX? Les fameux KPI. J'en pense, il y en a un qui est bien en tête. C'est déjà si les gens. Alors, c'est pas nécessairement. Alors, des KPI chiffrés, c'est compliqué. Par contre, il y a des KPI comportementaux, on va dire. C'est-à-dire que si avant les gens étaient en silo et après ils se parlent,
Déjà, pour moi, c'est un KPI. C'est-à-dire qu'on est sorti de ses propres contraintes, de ses propres objectifs, qui étaient parfois d'ailleurs mis par la direction. Hein. Eh bien, donc chacun travaillait dans son coin. Bon, ça marchait quand même, hein, parce que l'entreprise existe, hein, donc c'est que ça a dû finir par faire quelque chose, plus ou moins dans la douleur peut-être d'ailleurs. Mais voilà, donc si les gens commencent à se parler et qu'il y a des actions transverses, des gens transverses, ça déjà, c'est un gain assez énorme et qu'il y a un vocabulaire commun. Et ça, ce n'est pas garanti à l'avance. Hein. Donc, quand on va nous dans dit, comme KPI, on peut choisir le fait de dire le nombre d'interactions. Si on a une communauté apprenante, une communauté de partage, ça veut dire qu'on peut voir le nombre d'interactions, le nombre, par exemple, d'engagements, de commentaires, de rebonds. Oui, tout à fait, voilà. Et parce que du coup, le réflexe, on pourra constater qu'une habitude est prise, qu'il y a un réflexe, qu'il y a voilà, des choses qui se font. Et ça déjà, c'est un bon point. Alors, il suffit déjà, pour voir l'évolution, avant qu'il y ait une action d'engager, à T0, on voit ce qu'il y a. Et puis après, tous les trimestres, éventuellement, ou je ne sais à quelle fréquence, on peut voir ce qui se passe. Mais ça se nourrit. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des actions qui soient faites pour après voir les conséquences sur tel ou tel KPI. Donc ça, c'en est un. Après, c'est aussi peut-être éventuellement la fréquence d'itération. C'est qu'on parle d'agilité de plus en plus. On n'est plus dans des tunnels de production, mais qu'il va y avoir des validations régulières qui sont faites par différents types de personnes, et notamment l'utilisateur. Donc ça aussi, ça peut être un indicateur quel est le nombre de validations qui sont faites sur un produit ou un service avant qu'il y ait le point de non-retour finalement. Si je résume bien et si j'ai bien compris, vous m'aurez dit si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a deux éléments à la fois complémentaires. C'est à la fois l'aspect quantitatif qu'on peut par exemple quantifier soit à travers une enquête ou à travers des logiciels. Par exemple, vous avez cité Stéphane, l'angle de clic. L'aspect qualitatif, c'est-à-dire aller poser la question ou avoir récolté les points de vue des utilisateurs, des collègues sur la question. Donc, il y a deux façons de mesurer, si j'ai bien compris, et qui sont complémentaires et qui peuvent évoluer en fonction de l'offre, du service qu'on souhaite mettre en place. Mmh. Est-ce que c'est bien? Oui, tout à fait. Oui, mmh. Oui, tout à fait. Voilà. La complémentarité des regards, des types de collègues, c'est ça qui fait la richesse d'une info. Alors, on oppose souvent, on oppose quali-quanti. Et c'est vrai que parfois on a des données, on ne sait pas trop quoi en faire, on a du mal à les analyser et à les mettre ensemble. Donc on fait des hypothèses, on fait des ponts entre deux données, mais ce n'est pas très sûr. Et le quali peut intervenir à ce moment-là, par exemple, pour essayer de comprendre des comportements, de combler les trous qu'il peut y avoir, parce que le cheminement de la pensée ou du parcours qu'on a imaginé, ben, ce n'est pas le même que ce que l'utilisateur vivait. Voilà, donc il y a différentes méthodos, il y en a plein. Une méthode n'est pas mauvaise en soi, tout dépend ce à quoi pourquoi on l'utilise. Et en formation, ça pourrait prendre. Pardon. Non, vas-y, Stéphane. En formation, ça pourrait prendre quelle forme? C'est de demander l'avis, est-ce qu'ils sont contents à la fin du stage, ce qu'on fait déjà, ou est-ce que ça il y aurait d'autres éléments qu'on pourrait faire peut-être un exemple, il y a des outils numériques qui permettent en direct, en milieu du stage, de donner son avis, c'est les happy face, etc. Donc, est-ce que je suis content? Est-ce que je partage? Et au final, d'agréger ces points en se disant, ben, finalement, on a des matériaux qui sont quali et après, il faut les quantifier pour pouvoir peut-être en faire quelque chose. Est-ce que ce genre d'expérience peuvent rentrer l'avantage des indicateurs, c'est toujours le problème du thermomètre. C'est que le thermomètre, ce n'est pas le malade, mais sans thermomètre, on ne sait pas dire s'il est malade de combien. Oui, et puis en plus, le thermomètre, il y a aussi un biais, ça dépend de comment on l'a construit, quelles sont les échelles qui vont permettre aux gens de se positionner. Donc c'est ça aussi. Oui, alors en effet, ce type d'outil, c'est du classique, hein, et puis déjà, ça montre qu'on prend en compte leur avis. Moi, j'ai un schéma où, en gros, en abscisse, on leur donnait, je mets fun and learn, et la personne met une croix sur ce diagramme-là pour savoir est-ce qu'elle a plus appris que c'était ludique ou l'inverse. Quoi. Mais moi, ce que je demande aussi dès le début, c'est qu'est-ce que les gens attendent de ça. Quand je donne des mini-formations ou en tout cas des cours,
je leur dis, OK, mon cours, il s'appelle comme ça, mais qu'est-ce qu'on vous a dit, comment mon cours s'inscrit dans le parcours pédagogique et le vôtre, voilà, qu'est-ce que vous imaginez? Et c'est comme si je parlais à mes collègues avant d'aller dehors. C'est voilà, c'est qu'est-ce que vous avez en tête en fait. Et ça démarre de là. Comme ça, moi je sais sur quoi je dois appuyer. Moi je sais quels sont les liens que je dois faire avec les autres cours. Ça pour moi ça a beaucoup d'importance. C'est mon blabla. Il s'inscrit dans un truc plus global. Alors quand tout se passe bien, j'ai discuté avec le responsable pédagogique avant, bien sûr, et puis on a imaginé tout. Mon cours dans un ensemble, et voilà. Mais je préfère revalider avec les étudiants, avec ceux qui sont là pour apprendre, parce que ben, je vais avoir une attitude différente. En fonction de ce qu'ils me disent, je vais peut-être pas accentuer les mêmes choses ou dire les mêmes mots. Moi, je m'adapte beaucoup en fait à la cible que j'ai en face de moi. Donc je commence par ça. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et puis parfois, ça permet de purger des choses. Ils sont peut-être là alors qu'ils ne le veulent pas. Donc ça, il faut le purger. Il faut que, parce que sinon, bah, on va leur dire des choses sur un socle qui est pourri finalement. Voilà. Et donc ça, c'est pas possible. Donc moi, je commence par ça. Et puis après, j'essaye aussi beaucoup de m'adapter à leur cas concret. Bien sûr que j'ai plein d'exemples. Enfin, plus tant que je fais ce métier, j'en ai plein qui illustrent mes propos. Mais on essaie de prendre quelque chose qui leur parle, en fait. Ou soit quelque chose qui est tout à fait anecdotique, ou alors c'est quelque chose devant lequel il y a un problème, ils sont confrontés à quelque chose. Je ne vais pas le résoudre, le problème, mais en tout cas, c'est leur problème que je vais mettre au centre de mon discours, avec bien sûr tout l'aspect théorique et contenu que j'ai apporté. Bien sûr. Est-ce que, puisque là, si je résume, on part de leurs besoins, de besoins qu'ils expriment au moment où ils interviennent ou où l'interaction se fait, mais est-ce qu'on peut partir d'autre chose que de leurs besoins en disant ils connaissent leurs besoins, ils ont leurs habitudes, moi je vais les surprendre et je vais les amener sur un territoire qui n'est pas le leur pour l'instant et qui peut-être demain sera le leur. Oui, alors ça, j'aime beaucoup faire ça aussi. Oui, c'est ça, parce que moi j'adore bousculer les gens. Même les interviewés, hein, les consos ou d'autres que j'interviewe, je les bouscule un petit peu pour les obliger à sortir des trucs qu'ils ne sortiraient pas nécessairement. Et quand je vous disais que Gwen, quand elle fait de la datavise avec des marshmallows, bah ça bouscule un petit peu. C'est qu'elle commence un petit peu classique et puis paf, elle leur dit, vous voyez, j'ai mon sac de course, là, vous piochez dedans, vous avez un sujet, tout est timé. Voilà, bon. On part en effet de leurs besoins, et puis après j'aime bien faire une bascule, vous avez tout à fait raison, je vais dire ok, très bien, on a ça, maintenant je vous propose autre chose. Et vu qu'ils ont été mis à l'aise au départ et qu'ils ont travaillé sur un truc qu'ils savaient, ils n'étaient pas en danger finalement, et ils sont à l'aise et après ils sont chauds entre guillemets pour faire autre chose et pour les amener plus loin. C'est ça aussi le but du jeu, moi je suis une pièce extérieure, j'arrive dans un univers, et bien il faut qu'ils ressortent avec un truc en plus quoi. Et je vais faire le lien avec le deuxième élément dont je parlais tout à l'heure. Imaginons qu'une personne responsable de formation ou en entreprise qui souhaite monter un projet de formation, on a beaucoup parlé du fait de parler avec les collègues, du fait de parler avec les utilisateurs. Et je me demande aussi, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une démarche d'intelligence collective? Pour mettre en place le X-Design. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'on peut le faire? Ou est-ce que c'est deux choses différentes dans la co-construction des projets de formation? Oui, le X-Design est par nature collectif. Donc, et surtout dans un métier qui est en train de se structurer, c'est-à-dire on a de la pâte à modeler et tout n'est pas encore figé, eh bien, il faut être sûr qu'on regarde dans la même direction et donc il faut qu'ensemble, on fasse quelque chose de commun. Et bien sûr qu'en ce moment, on est encore en train de combler des mini-trous, bah tiens, stock là, machin, bon. Mais il y a des écoles qui s'ouvrent, qui se créent, qui ont déjà un programme pédagogique qui est cohérent, qui a été imaginé en amont, réfléchi en prenant beaucoup de temps, en allant écouter tel ou tel professionnel, en demandant conseil à ce professionnel-là, comment il verrait les choses. Est-ce qu'il a d'autres noms à me conseiller? D'autres personnes avec qui il a l'habitude de collaborer et avec les choses sont cohérentes et qui fonctionnent bien.
Donc voilà, il y a ce ping-pong, en effet, de demande d'avis un peu partout. Il y a bien sûr un responsable qui va décider, qui a une vision, etc. Mais il faut, parce qu'en plus, quand on parle à quelqu'un d'autre, on se dit, bah tiens, ce truc-là, je ne l'imaginais pas comme ça. Moi, j'étais enfermé dans mon truc, mais peut-être que si je le présente autrement, en plus, ça va faire le lien avec ce que toi, tu vas leur dire. Et je pense qu'on est plus comme, c'est plus le collège, un cours de français, un cours de maths, un cours de musique, un cours de sport, etc., qui ont le plus souvent aucun lien les uns avec les autres. Parfois, je me dis que ce n'était pas le but, hein, mais alors que par contre, après, moi, je donne des cours en master, et là, il faut qu'il y ait un lien, c'est évident. Il faut que tous les professionnels, et certaines écoles le font bien, se parlent entre eux, imaginent des choses, même qu'il y ait des cours communs. Tiens, moi j'arrive, hop, je vais aller pendant une demi-heure dans son cours-là, parce que je vais faire le poil à gratter. En effet, je vais les amener ailleurs, comme vous disiez. On interagit, et puis l'étudiant, il voit quand même que, ou l'apprenant, il voit qu'en face de lui, il a des professionnels qui sont raccord sur quelque chose, et qui se parlent entre eux, et ça va préfigurer leur boulot demain. Donc, sur l'UX Design, si les formateurs n'ont pas un discours commun et ne se parlent pas, ça va être compliqué de dire à l'apprenant, il va falloir que tu parles devant aux autres. Ah ouais, mais si j'ai même pas vu comment vous faisiez, voilà, c'est compliqué. Exactement, c'est toute la différence entre la pédagogie qui a été morcelée dans l'organisation scientifique de la formation, en disant chacun a une pièce et qui est indépendante, mais qu'on organise, et c'est le rôle de l'ingénierie pédagogique. Et d'un seul coup, on leur dit maintenant, on ne raisonne plus par des morceaux ou des grains de formation, mais on fait une relation apprenante. C'est-à-dire qu'il faut revenir à ce que vous disiez, que c'est très juste, c'est-à-dire le fait de dire on sait où on va, on y va ensemble. Et ça, c'est le rôle de la pédagogie, de se dire qu'on ne raisonne pas par des ordonnancements, mais on raisonne justement par un lien, et ce lien est par définition affectif, parce que on crée ce ensemble autour des émotions, ce que Michel Maffezoli appelle les communions émotionnelles. Donc très très bien. Est-ce que vous avez des exemples sur la formation en disant on pourrait faire des trucs plus sympas pour être en harmonie avec les apprenants? Après, il y a des techniques de comment. Quand on commence une animation, par exemple, on parle d'icebreaker, on va casser la glace, rompre la glace. Donc il y a des exercices qui permettent à chacun de commencer à se connaître un petit peu. Où on demande à quelqu'un, j'ai participé il n'y a pas longtemps, on me demandait de dessiner un endroit fétiche qui était le mien, et il fallait que la personne devine ce que c'était. Voilà. Donc on essaie de trouver quand même des monuments symboliques, on trouve quelque chose qui veut dire quelque chose, mais et vu qu'on dessine comme des pieds tout le temps, ça demande déjà de s'afficher un petit peu, et ça demande aussi à l'autre de chercher, tiens, c'est quoi les références? Pourquoi il va dessiner ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et c'est une sorte, il y a un intermédiaire qui est le dessin qui permet de se parler. Voilà. Donc il y a des petites astuces comme ça qui permettent. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui disent finalement ça montre la pénurie de la formation, puisqu'on amuse les gens, on fait un peu garderie, c'est-à-dire qu'on leur fait faire des jeux, on leur fait faire des choses comme ça de plus en plus. Est-ce que c'est vraiment de la formation? Je dirais oui, mais en fait, ce qu'on apprend à ce moment-là, parce que il y a une chose qu'on entend aussi de plus en plus souvent, c'est le savoir-être. Et quand on arrive par ce type d'approche, ça met tout le monde d'accord sur quelle est l'attitude à avoir. Et qu'on ne va pas simplement vous apprendre des techniques ou des connaissances, on va vous apprendre aussi une manière de faire. Et là, on est dans le savoir-être, et souvent, ça, c'est beau, c'est très dur à faire évoluer. Les connaissances, on va réviser, on va bachoter, on va apprendre, etc. Le savoir-faire, on va répéter une action, on va apprendre le geste, on va apprendre une manière de faire, un process et tout. OK. Et le savoir-être, parfois, il faut se faire un peu violence. Quoi. Et en plus, c'est pas quelque chose qui était valorisé dans l'entreprise. Donc, les personnes ne développent pas cet aspect d'eux-mêmes. Donc, par ces approches-là, on développe ça. Et puis derrière, ça permet, après, on embraye sur du plus sérieux, entre guillemets. Mais je trouve que c'est une bonne manière de détendre tout le monde et de vous dire que voilà comment ça va se passer, en fait. Exactement. Ça crée une communauté apprenante. Ça protège la parole et l'apprentissage. Et comme l'avait montré Antonio Damasio, les émotions, quand on utilise l'émotion pour faire lien et pour faire corps, dans ces cas-là, on peut apprendre plus et plus longtemps.
Donc, c'est beaucoup plus efficace et c'est le passage obligé dans un monde d'infobésité pour leur dire, ici, c'est protégé, on est là pour apprendre, même si c'est 5 minutes, même si c'est une journée, ça permet justement de créer un rapport différent au savoir. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est vraiment une partie prenante dans ce qu'on appelle les pédagogies affectives. Et est-ce vous qu'au avez final... raison, c'est retenir plus longtemps, tout à fait, ça aussi c'est important. Mais Oui, est-ce que pardon. finalement, non, pas de souci. Est-ce que finalement, Stéphane, en parlant de l'UX, on n'est pas aussi en train de parler de l'évolution du métier de formation, que ce soit pour les formateurs, les responsables de formation ou les institutions, du rôle de recherche de contenu, de proposition de contenu, à un rôle d'accompagnement où le contenu aujourd'hui, on peut le trouver n'importe où sur Internet, dans les bibliothèques, mais ce qui va être le plus important et ce qui va faire la différence pour les utilisateurs, justement, ça va être comment ça va être exposé, comment ça va être valorisé et comment ça va être transformé pour faciliter justement l'utilisation, l'expérience, créer une nouvelle expérience aux apprenants, aux formateurs et à l'entreprise globalement. Absolument. De toute façon, le savoir est de plus en plus gratuit. On trouve des tutos sur tout, qui sont de très très bonne qualité bien souvent. Donc ça veut dire qu'on a le savoir. Ce qui va manquer, c'est pas tant la raison et la connaissance. Un bon Wikipédia, avec un smartphone, on a un dictionnaire partout. Ce qui manque, c'est l'envie. Ce qui manque, c'est le fait de rentrer dans le fait de dire, je prends le risque d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est émotionnel, qui est un rien raisonnable. Et donc, c'est cette façon de retravailler avec de l'émotion. Et la meilleure façon, c'est de dire, ça va être simple, donc ergonomique, ça va être sympa, donc designé, on va créer de l'émotion qui est rattachée à ça. Et c'est ça qui se joue dans la façon d'apprendre, c'est que dans notre monde dans lequel on rentre aujourd'hui, on quitte le monde de la raison pour rentrer dans un monde beaucoup plus riche. Et ce n'est pas neutre de voir la place que prend l'émotion aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans où l'émotion, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir. Aujourd'hui, l'émotion devient le cœur, à telle enseigne d'ailleurs, que certains disent que c'est même le cœur de la raison. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on rééquilibre l'homme de façon à ce qu'on le prenne dans sa complexité. Et ça, c'est passionnant. Et à un moment, il faut bien des experts pour transmettre, pour écouter, pour apprendre. Et aujourd'hui, on est vraiment en recherche. Et c'est en cela où Nabil est vraiment très, très riche dans son apport, c'est de nous dire, il y a du retour d'expérience, il y a des choses qui se font, et donc ça veut dire qu'on peut les copier chez nous, l'expérimenter ensemble, même si aujourd'hui on n'a pas encore des normes, mais il y a des choses passionnantes à faire. Nabil, on arrive à la fin de notre intervention. Il nous reste une dizaine de minutes. Si vous aviez un formateur ou un responsable de formation qui veut se lancer dans le process, sachant que ça n'a jamais été son histoire, vous lui diriez quoi? D'abandonner? Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question parce que j'ai eu un petit problème de connexion. Pas de souci. Si on a un formateur, donc quelqu'un qui est en relation ou quelqu'un qui est plutôt dans le management, un responsable de formation, s'il se dit « moi, ça m'a plu, ça m'intéresse parce qu'on va aller vers cela », par quoi je commence aujourd'hui? Alors, on a abordé un peu en disant, je vais sur Google, je tape UX, et donc à partir de là, j'ai de l'information. Mais après, comment je commence à le mettre en œuvre? Eh bien, il peut. Je voulais provoquer en disant qu'il peut jeter la moitié de ses cours à la poubelle, mais non, je ne vais pas dire ça. Ça, c'est très politiquement correct. mais moi, je l'ai presque fait. Hein. Moi, j'ai dû. En fait, le temps qu'on passe à écouter les autres, on peut pas. Il faut bien que j'enlève des choses. Hein, j'ai un nombre d'heures, etc. C'est très factuel ce que je dis, mais la place que l'autre va occuper, eh bien, ça veut dire que la moitié qui me reste à donner, eh bien, elle doit être faite autrement. Bon, donc déjà, ça veut dire qu'il faut un autre état d'esprit. Bon. Et pour commencer, alors pour changer peut-être l'état d'esprit, on vient vous voir. On va voir de façon à voir, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes métiers. Alors, tout à fait. Alors, là, je rebascule sur Flupa. Flupa organise plein de meet-up un peu partout en France. On a des profils très différents qui viennent nous voir. Bien sûr, des UX designers, des UI designers, des développeurs, etc. Mais on a aussi parfois des bibliothécaires, parfois des architectes qui viennent nous voir pour sur des thèmes précises et qui sont très ouverts d'esprit sur la manière dont on fonctionne, qui veulent découvrir, qui testent tel ou tel atelier. Donc c'est déjà
voir comment dans d'autres métiers ça se passe et quelle est l'approche. Et Flupa, de son côté, va aussi développer tout un tas de ressources documentaires pour essayer de guider encore plus les professionnels de l'UX ou des professions annexes pour qu'elles s'y retrouvent un peu mieux dans la pléthore, pas toujours tant que ça d'ailleurs, de documentation. On a aussi des conférences que nous faisons qui sont enregistrées, qui sont après diffusées. Voilà, on capitalise sur pas mal de contenu qu'on va organiser de mieux en mieux pour que la profession puisse puiser dedans, ou en tout cas ceux qui sont curieux, qui puissent puiser dedans, avoir une première approche, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire avant de s'embarquer dans des formations complémentaires pour avoir certains labels ou certifications. Mais il y a déjà, il y a beaucoup de choses en accès gratuit qui existent. Et puis des antennes Flupa, il y en a plein. Allez voir ceux qui les organisent, ceux qui sont présents. Et il y a plein d'événements pour échanger et discuter. C'est déjà ça. Donc ça permet de changer l'état d'esprit. Je vous ai coupé tout à l'heure. Une fois qu'on a un peu changé son état d'esprit, on a des pistes, des signaux faibles. Comment je le mets en œuvre ? C'est petit à petit. Parce que mettre en œuvre, ça veut dire que, il faut oser le faire et il faut se dire est-ce que je maîtrise ce que je fais ou pas ? Parce que si je fais et que ça ne va pas, en face, on ne va pas me laisser l'occasion de recommencer. Donc, il faut avoir un discours de bienveillance envers soi-même et il faut l'afficher par rapport aux autres pour dire, voilà, on va tester des choses. Donc, une fois qu'on a changé l'état d'esprit, il faut qu'on change l'état d'esprit de l'autre. Pour le dire, on va tester quelque chose, il se peut que ça ne marche pas, mais on teste. Voilà. On fait un lab à plusieurs. Oui. Pour, voilà, très bien. Tout à fait. Alors, soit on le fait soi-même, soit on fait venir un intervenant externe qui va aider, etc., qui va montrer. Et le mot lab, finalement, ça a fleuri un peu partout en France, mais c'est quelque chose qui permet de c'est pas une excuse pour se planter, mais c'est une manière, c'est un endroit où on teste des choses. Et donc, quand on teste, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a une expression que j'aime bien, quand ça marche pas, on a appris quelque chose. Exactement. Voilà. Donc c'est vraiment le test and learn. Donc si tu fails, si tu rates, eh ben t'as au moins appris. Voilà, de toute façon. Après, il faut pas se planter deux fois sur la même chose. Après, on apprend et on évolue. Mais s'il y a cet environnement-là qui est aussi à prendre en compte. Alors si dans les entreprises ou en termes de formation, il faut mettre le mot lab pour que ça soit possible, ben, mettons-le finalement. Absolument. Et une fois qu'on a fait ce lab, après on industrialise et on rentre dans le process avec justement les métriques qu'on a pu mettre en œuvre, qu'on a pu déterminer et qu'on fait évoluer dans le temps pour voir comment est-ce qu'on progresse ou comment est-ce qu'on avance, quel que soit le chemin qu'on ait choisi. Oui, et valider les métriques en amont, ça c'est aussi important. Il faut que tout le monde, là aussi, le collectif, en effet, il revient encore, hein, c'est que tout le monde doit se mettre d'accord sur les KPI qu'on devra atteindre. Qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il n'y ait pas de déçu, qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de remise en cause. Non, on a tous participé. Et donc, on ne peut pas se renier vu qu'on avait validé tout ça ensemble. Voilà. Exactement. Et ce qui est très bien, ça permet aussi de reprendre cet esprit, état d'esprit qui change. En France, l'échec est souvent très mal perçu. Donc, tout comme les indicateurs sont des indicateurs sanctions, eh bien, c'est l'occasion d'en faire des indicateurs pour s'ouvrir un peu sur les méthodes anglo-saxonnes où on se dit une fois qu'on sait qu'on n'est pas bon, forcément, on va être meilleur après puisqu'on sait d'où on part et on sait où on veut aller. Donc, c'est un changement d'état d'esprit sur très bien. J'ai envie de dire, c'est comme ça que les innovations émergent aussi. Pardon. Oui, on a testé des choses, ça a marché. Ça n'a peut-être pas marché pour ce qu'on voulait, mais ça a marché pour autre chose. Donc, c'est autre chose, on le fait quand même. Et puis, voilà. Donc, après, il faut aussi qu'il y ait, là, je remets une couche sur la direction, qu'elle donne un cadre à tout ça et qu'elle permette à ce qu'on puisse pas nécessairement être efficient du premier coup, parce qu'il y a derrière des contraintes économiques, certes, mais voilà, donc il faut avoir ça en tête. C'est aussi oser accorder un peu de temps, un peu de ressources à ces choses-là. Et pour conclure, on pourrait dire oser, il en restera toujours quelque chose. Eh bien, très bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci Nabil pour cet éclairage qui est très fort.
Et on va voir un peu comment est-ce qu'il résonne. En tout cas, c'était très, très intéressant. Ce n'était pas dans notre coutume d'aborder les choses ainsi, mais en tout cas, c'était passionnant. Tous les éléments, on les mettra pour vous contacter directement. On les mettra après le podcast, de façon à ce que les gens qui peuvent vous poser des questions ou dire où se situe les meet-up. On mettra aussi les éléments pour l'association. Et donc, ça permettra d'aller plus loin. Comme ça, les gens qui veulent moins s'impliquer pour regarder d'abord, puis après venir vous voir. Mais en tout cas, j'invite tout le monde à réfléchir et à mettre ça dans leur stratégie. Merci, madame. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci à vous. Au revoir.